Ceci est une émission publicitaire payée par Production de pêche, l'heure juste. Bonjour tout le monde. Dans le contexte très particulier de la crise du coronavirus, toute l'équipe de l'heure juste tient à vous signifier que nous compatissons beaucoup avec les gens qui sont touchés de près ou de loin par cette triste situation. Vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont confinés à la maison. Alors, pourquoi ne pas se divertir en regardant les émissions des années passées de l'heure juste ou encore nos capsules de trucs et de conseils de pêche? Tout ça est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de l'heure juste. En ce sens-là, on a décidé de démarrer un grand concours où on va faire tirer au hasard des casquettes, des vêtements aux couleurs de l'heure juste et surtout une journée de pêche en compagnie de l'équipe de l'heure juste. Comment on fait pour participer? Bien, si vous n'avez pas déjà un compte YouTube, il faut en créer un et simplement vous abonner à la chaîne YouTube de l'heure juste. On doit faire ça pour participer au concours au plus tard le 15 avril 2020. C'est simple et c'est gratuit. Peut-être aurons-nous la chance d'aller pêcher ensemble. D'ici là, prenez les précautions d'usage, prenez soin de vous. Merci et à la prochaine. L'heure juste vous est présentée par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Berkeley. Capturez plus de poissons avec Berkeley. Aujourd'hui, on vous convie à une émission très particulière de l'heure juste. Je suis en compagnie d'Evelyne Audet, qui anime Shore Lunch à RDS, puis on fait une émission conjointe. Il y a une bonne partie des images qui vont être vues dans Shore Lunch, une partie dans l'heure juste. On a gardé toutes les meilleures dans Shore Lunch, mais il a donné l'excédent dans l'heure juste. C'est dit, il va falloir faire avec ça. Mais je suis très content de te recevoir. Moi aussi, vraiment, c'est un plaisir. Puis, là, aujourd'hui, on va pêcher l'Achigan Eldoré sur le fleuve Saint-Laurent, la veille du Super Challenge de pêche et coteaux. Puis demain, il paraît qu'on va cuisiner ensemble. Oui. Ça, j'ai bien hâte. C'est le fun parce qu'aujourd'hui, moi, je vais prendre tes conseils de pêcheur aguerri. Puis demain, toi, tu vas prendre mes conseils de fille habituée de faire des... Je veux pas dire chef cuisinière, je ne suis pas ça, mais fille habituée de faire des bons shore lunch. Donc, on va faire un partage de connaissances. Ma foi, on va avoir un bon excellent dîner, concept. On part à pêche? Yes. Good! Tu choisis ça pour quelle raison, comme l'heure? Il est beau. Moi, je le trouve bien beau. Ce qui me stresse d'entrée de jeu, c'est que je risque de le perdre. T'es-tu attaché? Aucune importance. Émotivement à ce leurre, je te garantis pas émotivement. Que je coûte cher en leurre, moi. Là, on va pêcher des zones peu profondes. Ça fait que ça prend un leurre qui va pas trop creux. Ça, ça descend dans 3-4 pieds. Il y a des billes dedans. Ah oui? Parce qu'on veut que ça fasse du bruit. L'eau est vraiment embrouillée et pas claire comme d'habitude. Ça fait que le poisson, il va l'entendre avant même de le voir. Il va remonter au son, il s'approche, un petit poisson qui a l'air bon à manger. Il est très joli. Il va aller le snapper. J'ai une question pour toi. On n'est pas sur des super bonnes heures de pêche en ce moment, là, en théorie. Est-ce que le doré, c'est comme le brochet, qui ait faim ou non, tu peux le provoquer puis il va venir t'attaquer? Oui. Peut-être dans une moindre mesure un petit peu, mais oui, avec certains types de leurres agressifs, on peut provoquer le doré. Tout ça, c'est le cas? Même s'il n'a pas faim, je le taquine, il m'entend, puis... Ce qui est différent, je te dirais, quand on parle de fleuve ou de grande rivière, là, c'est qu'en lac, on sait qu'il y a clairement une période d'alimentation le matin puis le soir. À cause du courant qui apporte la nourriture toute la journée, ici, le doré va s'alimenter à n'importe quelle heure. Ah ouais? Fait que là, ce qu'on fait là, on y monte une poêle qui a possiblement avoir le goût de manger. OK. Je tire ça? Absolument. On est au lancer, là. On fait pas de train, non? Exact.
ça se bat comme un beau doré, mon Dan. Oh! J'arrive! Oh, wow! T'as quelque chose de solide, là! L'attaque a été pas pire. La canne est bien pliée. Oh, c'est un achigan! C'est un achigan! Tu vois comme je connais ça? Tu vas apprendre avec moi, mon ami! Ben, elle a pas sauté! Moi, j'étais sûr que c'était un doré aussi, là! Oh, oui, là, il vient de sauter. Et voilà! C'est un achigan? Oui. Ben, je pense que c'est mon premier achigan. J'ai jamais pris ça avant. Ça tire fort, là. Tu vois, ta gagne, comment elle était pliée. Pas mal. C'est le plaisir de ces poissons-là. Tellement que c'est un peu une petite déception parce que je m'attendais à plus gros. Mais c'est vrai que ça fait ça. Ils sont tellement combatifs, ces poissons-là, que tu t'attends de sortir une affaire énorme. Oui. Pas tant, mais c'est pas grave. Écoute, c'est... il est beau, là. Oui. Il est pas petit. Non, c'est une belle capsule. Puis là, l'achigan, il y a une façon de tenir ça. Oui, toi, exact. Tu le tiens par la babine. Ça n'a pas vraiment de dents. C'est des mini dents pointues, fait que ça fait pas mal. Tu mets vraiment ton pouce puis tu serres fermement. Si tu lâches un petit peu ta prise, il va se mettre à gigoter puis il va tomber. Fait que c'est toi qui vas le garder, parce que sinon, c'est ça qui va arriver. Donc, achigan, petite bouche. Première capture d'Evelyne. Ça, bonne longueur, tout ça, on peut garder ça sans problème? Absolument, absolument. Pas de limite de taille du côté de l'achigan. Fait que c'est un poisson que si on veut le déguster, on l'apprête en filet comme le doré, puis c'est bon. Y a-t-il un quota sur le fleuve pour cette espèce-là, mais les autres aussi? Ouais. Autant pour le doré que l'achigan, c'est 6 par personne. 6 de chaque. Exact. Parfait. Bon, ben, un de 6. On va mettre ça dans le vivier. Bien beau. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince Craft. Financement des jardins disponibles sur place. C'est 3 marinas et 6 succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Prince Craft, dominez l'eau. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, au service de vos passions. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons nageurs Berkeley. Nouvelle conception, action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. C'est ce qu'on avait besoin, une première capture. On l'a eu grâce à Evelyne. Là, ce qu'on va faire, le bateau est immobilisé. On va faire des lancers en éventail autour pour tout couvrir la zone. Après ça, on va se déplacer un petit peu. On va recouvrir à nouveau cette zone-là. On est vraiment sur une belle structure. Ce poisson-là n'était pas tout seul. On en veut d'autres. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr, Dan, qu'il n'était pas tout seul. C'est sûr qu'on en veut d'autres. Evelyne, il y a peut-être des gens qui sont à l'écoute en ce moment du côté de l'heure juste, qui apprennent à te connaître aujourd'hui. Qui disent « C'est qui la fille? » Fait que je suis certain que les gens sont intéressés un peu à savoir ton parcours au niveau de la pêche puis au niveau de l'animation aussi, là. Lequel tu veux en premier? Ben, allons-y avec la pêche, tiens! La pêche? Ben, en fait, moi, j'aime bien me qualifier d'enthousiaste de la pêche. Donc, tu sais, dans l'émission que j'anime, le Shore Lunch, je suis loin d'être l'experte. C'est pour ça que j'ai des invités à chaque émission. C'est que moi, j'aime ça, j'apprends, mais je connais pas ça comme une experte. Je pêche au moins une fois par année avec ma gang d'amis, là, ça, c'est sûr. Sauf que ce que je fais le plus dans la vie, moi, c'est la pêche au harpon et la chasse à la langouste.
Puis ça, ça surprend souvent les gens parce que c'est assez méconnu là, comme type de pêche. À l'occasion, as-tu des invités après les parties de chasse à la langouste? Pour les manger, genre? Ouais, genre. C'est le fun, hein? Ça, c'est une grosse portion du fun de la chasse à la langouste. C'est tellement bon à manger. Mais je te jure que de la langouste, là, c'est tellement difficile à pogner là, que quand t'en as une, t'as mérite. Okay. Moi, je suis allée... Ouais. La dernière fois que je suis allée dans les Keys, en Floride, faire ça, je suis partie une semaine, puis j'ai été autosuffisante. J'avais mon petit terrain de camping, puis mon but, c'était de seulement me nourrir du poisson que je pêchais. J'ai réussi à faire ça toute la semaine avec le lionfish que je harponnais. Par contre, la langouste, zéro en une semaine. C'est super dur à pogner. C'est difficile. Ouais. Okay. Mais c'est le fun, là. C'est tout un sport. Puis tu sais, moi, je le fais avec la bonbonne, là, de plongée sous-marine dans le fond. C'est sûr que certains diraient que c'est moins sportif que la plongée en apnée. Ça, c'est clair. Mais ça l'est quand même. T'es époumonné, en fait, dans l'eau. Là. T'es vraiment à la chasse. T'es à l'affût, t'es aux aguets. Fait que ta respiration est super rapide. Donc, les plongées durent très peu de temps. On parle, ben, en tout cas, dans mon cas, c'est à peu près 30-35 minutes déjà. Ça a même déjà été 25 minutes dans le fond de l'eau. Fait que c'est pas beaucoup. Faut que tu fasses ça vite. Quand tu vois une langouste, il faut rapidement que tu trouves ta stratégie, que tu te sortes ton équipement dans l'eau. C'est quand même quelque chose de vraiment intense. Fait que ça arrive souvent que tu remontes puis que t'as pas eu le temps d'en prendre. Puis ce qui est encore plus fâchant, c'est quand t'es vois, mais faut que tu remontes, la bonbonne, elle t'indique que t'auras plus d'air. Fait que là, elle est là, mais faut que tu remontes. T'sais, c'est vraiment le fun à faire. T'es en train vraiment de me donner le goût, là. Ça a l'air fascinant, son affaire. Au niveau de la télévision, t'as fait de l'animation avant Charlene, c'est... Oui, bien, en fait, moi, je suis une fille native de Charlevoix, mais originaire de Québec. Là, j'ai été élevée à Québec. Donc, ben, j'ai étudié là-dedans, le Collège des animateurs radio-télé. Puis, j'ai fait mon stage à TQS à l'époque. Et puis, j'ai commencé, je te dirais, là, mes premières expériences radio, ça a été à Radio Énergie à Québec. Mes premières expériences télé, ça a été à Télémag. J'ai animé quelques émissions, Dossier Actualité, Direction plein air, Animag. J'ai fait une couple d'émissions avec eux. Puis en 2009, c'est un de mes amis m'a envoyé un lien parce que TQS, à l'époque, cherchait des animatrices pour le nouveau quiz Call TV. Ça te dit de quoi? Ben oui. Fait que j'ai fait les auditions pour ça, puis je me suis envolée vers l'Autriche, puis j'ai animé ça de là-bas là, pendant un été. On a été 4 mois de temps en Autriche. Et ce défunt quiz télévisé de grande qualité qui n'existe plus aujourd'hui m'a quand même mis sur la map, m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Fait que j'ai pas fait ça pour rien. C'était, en fait, à mon retour, ça avait tellement fait jaser que j'ai été invitée à Tout le monde en parle. Puis le téléphone s'est mis à sonner là, après la diffusion de Tout le monde en parle. Fait que ça a quand même été, même si c'était pas une grande, grande émission, ça a quand même eu l'effet d'un tremplin pour moi. Là. Fait que je suis vraiment contente d'être allée faire ça. Bon, bien, tantôt, on disait, pendant qu'on fait l'entrevue, peut-être qu'on va se faire couper la parole par un poisson. Ça a presque été ça. On vient de terminer l'entrevue, puis notre petit brin de jasette. J'ai un échigan au bout, là. Il a fait 2 sauts en dehors de l'eau, là. Fait que je le sais que c'est ça, là. Oh oui, il fight fort. Là, actuellement, le vent puis le courant descendent vers le poisson. Fait que ça, ça fait en sorte qu'il a l'air de moins tirer. Je vais monter sur la plateforme ici. Il y a beaucoup de... Là, il y a le courant, la marée puis le vent. Non, ça doit être une belle taille, là. Regarde la canne pliée, là. Au début du combat, j'ai eu le droit à 2 sauts en dehors de l'eau. Il m'a sorti du fil. Oh, le 3e saut! Ce qu'il essaie de faire, là, c'est de recracher l'air quand il fait ça. OK. Puis s'il n'a pas été bien ferré, souvent ça marche. C'est un réflexe que ce poisson-là a, que d'autres n'ont pas. C'est... Oh! Les gens qui n'ont jamais pêché la chigan, là, c'est tellement agréable. C'est combatif, ce poisson-là. Bon. Hey, c'est la première fois que je fais la prise. Les rôles sont inversés. Dangereux, je veux pas te le perdre. Pas grave. Oh, ouais, il est beau. Oui, c'est un beau poisson. Yeah. Bon, good! Très, bon. Très beau. Une chance que tu as bien fait ça, la prise, hein? L'heure s'est décrochée. Oui. Par la petite babine. Ben oui. Magnifique. Hein? Bon, un bel échigan. C'est bien dodu quand même, hein? Oui. Oh, oui, il manque pas de nourriture, là. Tu regardes la bédaine, là, pour sa longueur, là. C'est un poisson qui... Puis c'est, je vois qu'il y a quand même de l'épine dorsale un peu ici, là. Oui, c'est exact. Il faut être très prudent, être prudent quand on hein? le manipule. Donc, ouais, toi, tu le prends par là, mais sinon, tu pourrais faire la fameuse technique de descendre comme ça, là, pour exact. Venir le prendre par là. Exact. À ce moment-là, il faut que tu le tiennes fermement, parce que s'il choisit de gigoter, puis ton emprise desserre un peu, là, c'est lousse, oh, tu vas t'en souvenir longtemps. Bon, on va mettre ça dans le vivier, parce que l'idée du Shore Lunch, c'est de manger nos captures. Oui, il est très beau. Bravo, bravo.
J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je suis en amour. J'ai véritablement trouvé mon âme sœur. Pour partir à l'aventure hors des sentiers battus, c'est le compagnon idéal. Il est vraiment impressionnant. Avec entre autres son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en trois formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ongles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux, les enveloppes protectrices de Protect Marine. Protect Marine, la meilleure protection pour vos équipements nautiques. Petite information importante à savoir pour les pêcheurs du fleuve, les dorés dans le fleuve mangent beaucoup de perches chaudes, les jachigans aussi. Alors, l'heure qui met une perche chaude, c'est souvent très efficace. En l'occurrence, le flicker shad. Ça saute pas mal, Dan. La puise pas trop loin parce que... Oui, j'arrive. Oh, ça a l'air gros, hein? Tabarouette! Malade! OK, faut vraiment pas que je donne de l'us, hein, mais c'est dur, là. Aïe, c'est clair, il est pas prêt. Bouge pas 30 secondes, moi, il t'enlever de la tension. S'il part sur un sprint, il va pas casser ton... C'est fort, aïe, hein? Aïe, aïe, on dirait que j'ai un saumon au bout de la ligne. Aïe, aïe! Aïe, mais ça, j'aime ça, là. C'est une belle, là, vraiment, là. Oh, oui. Un mastodonte. Là, il est prêt. Yes! Oui! Oh! C'est beau, ça! Garde-moi la palette, bravo! Tabarouette! Bon, bien là, celle-là, va falloir que je le prenne. Tu sais quoi? Tu vas rendre jaloux des pêcheurs du tournoi. Donc, mon plus gros achigan à vie, 3 livres? Et plus, et plus. Et plus, 4 livres. Écoute, elle a vraiment une grosse bédaine. C'est un superbe spécimen. Bravo, Evelyne! Yes! La petite bestiole de fleuve, en plus, tu sais, faut le rappeler, là. C'est quand même... Exact. Puis les conditions dans le fleuve sont difficiles en ce moment. Fait que ça augmente ton mérite de cette capture-là. Bien, merci. Un doré, annonce que c'est... Que ça, il sort du fil, puis attention. Le calibre tournoi. Hé, hey, toi aussi! Hé, tu vas bête! Ils ont eu besoin d'être les deux gars pour le lever. Malade! C'est bon, hein? Hé! Lui manger au bar à soir, lui. Il a tellement fessé sur l'heure, là. J'ai pensé que c'était un brochet au début. La mise à l'eau d'un doré trophée. Oh, qui est reparti d'une claque. Hein? Il est en pleine forme, ce poisson-là. Demain, ça va être au tour des compétiteurs de nous montrer ce qu'ils peuvent faire. Puis j'ai confiance que malgré tout, on va voir des très beaux poissons à la pesée. Ça va être une journée super agréable pour tout le monde. Vient d'être donné au Super Challenge de pêche et cotonne. C'est plus de 200 bateaux qui se sont élancés sur le fleuve. C'est de toute beauté de voir ça. Petit aveu, honnêtement, plutôt que d'être ici sur les berges,
J'aurais préféré être sur l'eau, participer aussi à ce tournoi-là. Un départ de gros tournoi comme ça, il faut vivre ça. Là. L'adrénaline qu'on a quand on est au milieu de l'eau, parmi tous les bateaux. Puis nous, ici, on a un départ qu'on voit juste à Batiscan. Des coups d'eau chargés à blanc, puis tout le monde est parti pour la pêche. La température est magnifique ici aujourd'hui. Je pense qu'encore une fois, ça va être un super beau tournoi, super belle journée. Vraiment, le Super Challenge de pêche Écotone, c'est l'événement de l'été dans le monde de la pêche au Québec. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince Craft. Financement Desjardins disponible sur place. C'est 3 marinas et 6 succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Écotone possède les meilleures marques sur le marché. Écotone, au service de vos passions. L'Heure Juste, c'est plus qu'une émission de pêche télévisée. C'est aussi une présence forte sur Internet. Rendez-vous sur l'heurejuste.com pour des exclusivités web qui feront de vous un meilleur pêcheur. Voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge. Voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du DEET. Voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans DEET. Angava Icaridine. Éloigne les moustiques, pas les poissons. Grand plaisir de vous avoir avec nous. On a une main d'applaudissements, s'il vous plaît. On a de la grande visite. Bien, ça me fait grand plaisir, mais surtout, ce que je dis pas, c'est que je suis venue goûter les recettes, moi, de Shoreline. Je sais que c'est compétiteur, mais c'est pas grave. Non, mais vraiment, je prends l'occasion qui m'est offerte de prendre la parole, surtout pour féliciter l'organisation qui est extraordinaire de ce concours de pêche-là, qui est, je pense, sans précédent quant à moi. Là. C'est sûr que je suis un peu chauvine, compte tenu que je suis la députée du comté, mais on va ramener hein, ce qu'on peut ramener. Mais bravo à tout le monde, puis bravo surtout aux pêcheurs qui rentrent tranquillement pas vite, puis ils continuent, puis je vais juste vous saluer, puis vous féliciter surtout pour cette belle organisation-là. Puis je vais aller goûter les recettes maintenant. Un énorme merci de votre présence. Vous êtes les bienvenus, la bienvenue tous les ans. Ça fait plaisir. Un applaudissement à tout merci, le monde. Merci. On a déjà deux étapes de fête dans la pesée des poissons. On a pesé les multiples poissons du volet participation. On a vu toutes sortes d'espèces. On a vu des familles, trois générations dans certains cas, des équipes féminines. C'est génial de voir ça. On a aussi vu femmes et enfants, en plus des autres compétiteurs dans le volet compétitif doré. Puis encore là, il y a eu des beaux poissons, vraiment, entre autres plusieurs gros dorés noirs. Là, on va passer au volet final de la pesée, c'est-à-dire le professionnel à Chigan. Ensuite, on procède avec les prix de présence. Évidemment, plus de 100 000 $ en prix et bourse. Et surtout, le clou de la soirée, on remet en prix de participation. Donc, pas besoin d'avoir pris des gros poissons! Prix de participation, peu importe le volet, un Prince Craft à Maroc d'une valeur de tout près de 30 000 $. Gracieuseté de Shawinigan Marine et Prince Craft. Wow! We'll be right back.
un challenge de pêche chez Coteau. Merci. Je suis en compagnie d'André qui vient de gagner le premier prix au Super Challenge Écotone, un bateau Prince Craft à Maroc, grâce à Prince Craft et à Shawinigan Marine. C'est incroyable. Comment tu te sens, André? C'est un feeling qu'on ne peut pas le décrire. T'sais, on est allé à la pêche aujourd'hui, on s'en vient ici de passer une belle journée. On n'a pas pogné aucun doré, t'sais, même pas une petite touche, rien. Ça clôt ma soirée. Le fait de gagner le prix, mais tu sais, on vient ici, c'est pas juste pour le prix, c'est pas... Tu vas avoir du plaisir, puis là, c'est... Incroyable, hein? Je peux pas le décroire. T'es venu ici pour t'amuser, toi? Et voilà, là, tu repars ce soir avec un prix d'une valeur de près de 30 000 $. On voit l'émotion, c'est beau de voir ça. C'est dur à décrire, parce que c'est tout ici, c'est tout... Ah oui, c'est un feeling unique. Tu sais, je conseille à tout le monde de venir voir ça. C'est un beau tournoi de pêche, c'est vraiment... Il y a du plaisir, il y a beaucoup d'amateurs de pêche au Québec. Il faut encourager ça, puis il faut encourager la relève. Fait que c'est génial. C'est comme la cerise sur le sol. Et voilà, excellent mot de la fin. Alors, venez nous voir ici l'année prochaine au Super Challenge de pêche et là, je sais pas votre bon travail. Et continuez à faire. Ça prend du monde comme vous autres pour faire des beaux tournois de pêche comme qu'on est là. Merci infiniment. Ouais, merci. Bravo. L'heure juste vous a été présentée par Toyota. Le groupe Thomas Marine. Partenaire de vos loisirs. Et Prince Craft. Dominez l'eau avec Prince Craft. Aujourd'hui, dans l'heure juste, une émission spéciale qu'on se parlait de faire depuis longtemps. Je suis en compagnie. Aujourd'hui, dans cette émission-là de l'heure juste, je suis en compagnie d'Evelyne Audet, qui anime Shore Lunch à RDS. Ça fait longtemps qu'on parle de faire une émission conjointe. Mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Conjoint, exagère pas, là. Juste pour la pêche, là. Partez pas des affaires. Juste pour la pêche, la précision est donnée. Là, il y a un gros tournoi de pêche ici demain. Ils savent, les dorés, là. Fait que là, ils sont partis le plus loin possible de Batiscan. Fait qu'on va faire 30 minutes de bateau pour aller pêcher le doré. Pour aller... Y a-tu qui vont croire ça? Non, blague à part, c'est qu'on va commencer un petit peu plus loin, puis ensuite, on va faire tous des secteurs de pêche en se revenant vers ici. Ceci était une émission publicitaire payée par Production de pêche, l'heure juste.